Un cordial saludo a todos. Actuellement, nous avons guiatrice, c'est estudio social pour premier niveau. Premier niveau, ça veut dire si on a un premier objet, premier effet, eh bien, guia ça, c'est pour évaluation premier trimestre. Et guia ça, est présenté par les professeurs suivants. Arturo Jaque et Victor Quadra. Pour capable réaliser ça, on va mettre nom, classe et puis date. Ça, c'est un guia surtout qui parlait sur conquête Christophe Colomb en Amérique. Pas oublier que on va seulement faire ça et puis transmettre avec professeur qui pourra. Majorité monde qui va regarder vidéo ça, qui va écouter, c'est monde qui ensemble avec professeur Arturo Jaque. Nos conseils, nous faire lecture bien parce que sans lecture, nous pas arriver faire guia ça. N'a pas remarqué que guia ça n'a pas gagné un espace pour nous répondre question. Quand je suis professeur, ça même, c'est comme ça même lui présenter tout guide d'études. C'est pour raison ça, un pile monde qui était guide d'études et studio social, yo vide parce que yo pas ouais côté pour mettre des réponses. Eh bien, professeur, ça lui seulement travaille avec des textes et puis ou voilà, prend une feuille pour capable et enlever question yo pour capable faire développement ça lui demande pour capable faire. Là, nous pourrons identifier qui côté question yo y est. Question que yo professeur m'a dit pour nous répondre. OK? Si nous suivons là, nous avons question 1. Question 1. La question ça, pour répondre, il faut qu'on lit le texte en l'air. À partir du texte en l'air, on a une idée des réponses que vous pourrez mettre à travers la question ça. Là, on dit que pour qui ça, Espagnol, ils ont voyagé dans la direction Occident. Après, objectif, qui est pour être capable d'atteindre des îles qui gagnent espèces. Pour qui objectif, eh bien, si nous allons dans le texte, on apprend que réponse que vous demandez, nous allons lire dans le texte là. Lire dans le texte là. OK? OK, question 2. Pas bien, pas seulement lever texte ou mettre comme ça, mais faire des résumés. Faire avec compréhension, de qui ça vous comprenez. Question 2. Et pourquoi je ne lis ça tout? Question 2. Je dis que qui avance, qui te permet à ce que Monsieur Sayo te voyage puis tu faire des découvertes et puis tu faire. Qui est capable de faire des conquêtes aussi, qui avance. Je dis pour nous, avance scientifique et puis avance technologique actuelle. Nous avons cherché deux points. Avance scientifique, monsieur, tu utilisé pour être capable d'arriver en Amérique. Et puis, qui avance technologique actuelle que tu utilisé. Si vous avez descendu la partie en bas, vous avez vu que vous avez plusieurs technologies ou bien plusieurs avances. D'après, monsieur, vous avez utilisé une boussole, vous êtes habitué avec ça. C'est que les gens qui habitué à voyager dans le bâtiment, vous voyagez avec boussole. Astrologue, la bio, ça, nous pas vraiment habitué avec elle, mais cadran, nous habitué avec cadran. Et puis, tout matériel, ça, nous habitué, tendez, lorsque nous voyageons dans le bâtiment, il y a des choses qui a guidé. Eh bien, c'est ça, yo, yo, mandé, nous, là. C'est avance, yo, qui ça, monsieur, t'es utilisé. Là, on a une réponse, yo. On a une réponse, yo, dans le cadre, ça. On a fait un résumé, mes frères, mes sœurs. Fait un résumé. Dans une feuille blanche, on a mis nos professeurs. Nous avons mis studio social,
et puis on a mis le premier niveau. On a mis qui premier niveau? C'était le premier niveau chi, c'était le premier niveau effet. Et puis on a envoyé sur email ça, ou bien si on n'a pas envoyé sur email, on a envoyé dans le lycée. On a la question 3. Dans la question 3, il m'a dit pour nous capables expliquer qui route Orient. Il y a une raison pour laquelle les Espagnols n'ont pas de suivre la route qui menait en Orient. Pour qui ça, les Espagnols n'ont pas de suivre la route ça. Eh bien, là, on a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs là. Voilà, on a une réponse. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas lever comme ça, mais on a fait résumé. OK, question 4. Yo m'a dit pour nous capable expliquer type de régime qui était établi pour organisation de entreprise conquête ça yo. S'il aller dans note en bas d'après que yo bano plusieurs et conquêtes que monsieur Sayo même il était participé, il était entrepreneur pour être capable d'arriver en Amérique. Hein? C'est organisé une empresa de caractère capitaliste. Ce type d'entreprise, ça y est, il était organisé. Il a dirigé pour l'un particulier. C'est-à-dire ce type de conquête, ça y est, il était organisé. Et puis avec forme coquette, il est arrivé en Amérique. Si nous suivons toutes les réponses, il est là, mais il faut que nous fassions des résumés. Ça veut dire objectif, non, c'est pas pour nous dire nous totalement et qui ça pour nous mettre, mais c'est seulement pour nous capables de des idées. Ouais, tout ça va parler de l'empresa de conquista, l'entreprise de conquête. Là, il est comment conquête était faite, comment il était arrangé yo juste pour être capable d'arriver sous terre Amérique là. Pour être arrivé dans l'île Amérique là et puis il est arrivé établi dans plusieurs pays dans Amérique là. C'était en 1492, je crois. Mais espérer que ça t'a aidé nous pour nous capable remplir ça le plus tôt possible. Hein? Et pour nous capables de voir l'adresse que nous devons voir. Bon succès à vous tous.